Durant deux jours, le nouveau juge président du tribunal de Kinshasa, dans le procès de 100 jours, a fait défiler plus d'une vingtaine de témoins. Ministres, anciens ministres, gouverneurs de la Banque centrale, membres du cabinet présidentiel, épouses et filles du prévenu Vital Kamerhe. Le but poursuivi est d'établir ou non la culpabilité des accusés sur trois chefs d'accusation. Je ne nie aucune de mes signatures. Ça m'engage. Et j'assume. Mais cependant, dans ce domaine ici, celui qui valide le projet, c'est la Direction générale du contrôle des marchés publics. Et je continue à insister que l'avenant en question, c'était un projet. La lettre de la Direction générale du contrôle des marchés publics existe. Elle existe, la lettre existe bel et bien. Il faut d'abord savoir que quand le nouveau président de la République est arrivé, M. le directeur de cabinet a paralysé notre gouvernement. Le marché incriminé ayant été signé avant la prise de fonction de Vital Kamerhe comme directeur de cabinet. Pour un total de 57 millions de dollars, le patron de l'entreprise Samibo a confirmé la perception de cette somme à la base de ce procès. On se pose cette question, est-ce que c'est de la justice ou est-ce que c'est de la politique ? Essayons, nous, de regarder les choses comme des juristes, avec nos lunettes de juristes. Et même si les poursuites ont des causes ou des raisons ou des explications politiques, faisons ensemble, magistrats et avocats, que les grands principes de la justice soient respectés et qu'un homme ne puisse être ni poursuivi ni condamné, évidemment, lorsqu'il n'y a aucune preuve valable contre lui. C'est ce que nous espérons faire dire et juger en RDC. Et pour le reste, je vous laisse le soin des commentaires. En ce qui me concerne, je ne jugerai ni les juges, ni les politiques, ni ceux que je défends, ni ceux qui sont peut-être à l'initiative des poursuites, parce que je ne suis pas juge, je suis seulement avocat. Le procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, focalise l'attention de l'ensemble de la population. Principal allié du chef de l'État dans la coalition Le Cap pour le changement, Vital Kamerhe continue de plaider son innocence et croit à son acquittement.